Alors là, j'avais envie de vous partager un petit truc et astuce. Quand moi, je fais des travaux assez sales avec mes microfibres, je ne les mets pas directement à la machine parce que sinon, vous aurez toujours des traces. Vous savez qu'elles sont vraiment technologiques et qu'elles ont un pouvoir absorbant énorme, des capillaires très absorbantes, si bien que si vous ne les dégraissez pas un peu avant de les passer en machine, forcément, vous aurez encore des traces. Et bon, moi, j'aime bien, même si c'est des chiffons, j'aime bien qu'ils soient propres. Donc l'astuce, voyez, j'ai fait des Velux. Donc évidemment, les Velux, c'est très sale. On retire toute la pollution et la poussière de dehors. Donc là, moi, clairement, je vais la prélaver, entre guillemets, avant de la mettre en machine. Donc j'humidifie la microfibre. Voilà, je passe bien à l'eau parce qu'elle a besoin d'avoir quand même un peu d'eau. Et ensuite, je les sors un peu. Je vais mettre du savon de Marseille dessus, hein. Alors pur savon de Marseille, pas trop de mélange. Moi j'ai un gros pavé, j'aime bien, et donc je vais passer le savon sur les traces comme ça. Peut-être mouiller mon savon aussi. Voilà. Et vous allez voir. Alors moi j'ai une brosse à nylon, donc je vais ouvrir en fait les capillaires de ma microfibre. Voilà. Et vous voyez que les traces ont déjà quasi disparu. J'ai vraiment ouvert les alvéoles. Si vous n'avez pas de brosse en nylon, eh bien, je vous invite à faire à nettoyer fibre contre fibre, à frotter fibre contre fibre pour ouvrir encore une fois les capillaires. Et vous allez voir que je vais obtenir le même résultat. Vous voyez, ça disparaît complètement. Donc je vais faire ça partout. Une fois que je l'aurai fait, ben, je vais juste la rincer légèrement. Et moi, quand je passe mes microfibres en machine, je les mets dans un filet à linge pour éviter qu'elles se mélangent avec tous mes autres torchons et qu'elles se collent entre elles. Comme ça, c'est plus facile. Et à 60 degrés, puisque c'est très sale, donc il faut vraiment un cycle à 60 pour complètement la nettoyer. Voilà, à vous maintenant.